Et bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je retrouve les amis avec grand plaisir sur la suite du Let's Play sur Conan Exile, toujours la saison 2, toujours en duo avec Inotna. Épisode dernier, on avait tiré vers le nord, on a rencontré des grosses bébêtes qu'on fait une bouffée. On a réussi un petit peu à les brain en passant dans leur dos, etc. On s'est enfoncé dans une espèce d'énorme grotte et nous allons donc continuer la découverte de cette zone du nord en tirant toujours un peu plus, vers le nord, dans la glace, tout en essayant de survivre, notamment au froid. Voilà, grotte, 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 et puis des grottes, toujours des grottes. Bon visionnage, à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Kaz. Comment il se la pète? Ouais, ouais, mec. Tu veux une torche, peut-être? Tiens, je t'en loot une. 12 minutes. Ça, je fais pitié, c'est ça? 12 minutes de torche. Tiens, allez au sol. Oh, le butin, quoi. Pff, la torche. 12 minutes de torche, mon pote. C'est de la torche... C'est de l'Apple torche. Tout prendre. C'est de la torche iPhone 10. Allez, viens. Attention, attention. C'est toi qui fais des bruits de pioche? Chut, oui, c'est moi, je me suis trompé de touche. De Jill. C'est bien qu'on est dans un endroit où tu peux te permettre de faire du bruit, quoi. Alors. Où sommes-nous? L'antre de la bête. Alors, je sais pas si t'as peur, mais il fait de plus en plus froid. Et toi qui es à moitié nu. De plus en plus jour. À mon avis. Ah oui. Ouais, mais t'inquiète vite pas. Vite décédé. Avec les glandines. Ma bite, c'est du béton. Ouais. Bon! Culture, mon pote! Alors, hein? Gel 3. Ok, donc c'est un trou. Avec. Avec rien dedans. Avec rien dedans, bah, on va voir un petit peu. Vas-y, éclaire-moi. Merde. Indiana Jones. Côté. Bah, j'essaye de monter. Ok. Nul. Ouais, c'est bon. Musique exotique. Et s'il l'en est. Aussi exotiquement que... Oh merde. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand on aura notre barre de froid à fond? À ton avis. Bon, on sent Mr. Freeze. Il y a rien que ça pue la gueule. Bon. Y'a pas un coffre, quelque chose? Non, moi je suis juste là pour le loot. Hein. Oh! Y'a un chemin. Ouais, on va aller. Ah, c'est pas mal foutu quand même. Belle ambiance. Y'a rien dedans, mais c'est bien foutu. Oh, y'a bien du loot là-dedans au fond du chemin. Ah, vivement que je meurs. Alors, moi. Fun! Ça doit être le genre de zone que tu peux explorer quand vraiment t'es adapté aux conditions. T'es mon mob? Aux conditions sauvages pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce que plus on avance et puis qu'il y a des meules, quoi qu'on va sortir par un autre endroit peut-être. Moi j'ai mon niveau de gel qui descend, je suis passé en gel 2 et j'ai moins froid au cou. Ah ouais, c'est pareil. Ah, petite musique de combat là, non? Non. Ok. Saute voir. Je me suis rattrapé au bon moment. Je voulais que tu fais jamais exprès. Je spam la touche espace et 4 fois sur 5 il me fait ta gueule. Hop, hop, hop. Alors je sais pas où on est, mais on y est. On est en train de sortir, non? Par un autre côté peut-être, ouais. Il y a un escalier. Ouh. Donc oui, on est sorti. So de Binyakin. Bah c'est tout gelé. Ok. Alors, où est-ce qu'on est au niveau de la map? Ok, on est rentré d'un côté, sorti de l'autre. Ok, mais alors, je suis persuadé qu'il y a quand même des trucs à voir. Au fond de la grotte ou... Oh, j'ai envie de monter, rien gagner. Il y a une sorte de pont là, tu vois pas? Ouais, allez. Attends, je regarde déjà avant de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? On trouve la verdure, ok, d'accord. Je t'invite à ranger ta torche, si tu veux qu'elle te garde... Oh, même, mais il est pas bête. Oh, y a la... Quel génie. Il y a le vert. Ça m'impressionne. Ça va faire tout vert. Ça va faire tout vert, chérie. Hmm.
Et là, il y a des cuir, cuir moustache. Moustache, cuir, cuir. Alors, on est sur la crête. Ah, en fait, c'est ça. On l'avait vu, hein. Non, allez. C'est bien ça parce qu'ils ont rajouté l'espèce de petite icône sur la map quand tu découvres des endroits et ça te met un succès et vous avez découvert le truc midule. Ça fait très très MMO, tu sais. Guild Wars 2. Ouais, tous les jeux Guild Wars online 2. Du monde. Non, parce que c'est toujours tout aussi fun. Fun. C'est facile ça. C'est facile. Les chefs ne t'aiment pas. Les boucs, mon chou. Les boucs ont compris que tu portais un bouc mort sur ton... Je suis grillé, sur c'est ton ça torse. Ils m'ont grillé les boucs. Bon, j'avance, hein. Je sais pas trop où je vais. Je te suis. Ouh, t'as mais vu là, l'espèce de grosse tour sur notre gauche, là. Avec les flammes de l'enfer qui sortent... Je vois même plus le sol. Le froid. Un coffre. Ah, un petit coffre. Coco, un coffre. Ah ouais. Oh, le mec. Il y a de la bouffe et tout. Hop, je te souhaite. De la merde. Putain, enculé. Regarde. Regarde quoi. Oui ou non. T'avais... Bah oui, si, mais il y avait rien dans ton coffre pourri. Si, mais regarde ce que j'ai. Le du bois le des masque. Cailloux. Oh, le bâtard. T'as eu ça. Bah, casse-toi, vas-y. Vas-y, glisse. Vas-y, glisse, merde. Glisse et meurt comme une merde. Pour ça et pour moi. Allez, viens, on va par là. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. C'est l'autre. Le coffre. Dégage. Le coffre d'angoir. Il loupe la marche. Alors, attends. Là, déjà, tu vois, on a tout de suite... Il a... y a du loot en bas. C'est soit en bas... Moi, je vais en bas, bon. Écoute. En haut, il n'y a jamais rien. En bas, je suis sûr, c'est plein de trucs. C'est tout aussi pourri en bas. Parce que c'est pas fini comme jeu. Ah, faut que t'ailles en bas une autre, là. C'est plein de trucs. Bah vas-y, je te laisse. Je suis en train de tout looter. Oh la vache, j'ai au moins 5-6 coffres. J'ai pas assez de place, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides, Yotna. J'ai trop de coffres. Moi les loups, t'en haut. It's a trap. It's a fucking trap. Non, en fait, que dalle. Même là, je sais pas où aller, je suis perdu. Bah, ça mais fait une espèce de. Ah, ici là. Moi, je pense. Moi, je sauterai. Hein. Moi, je vais par là. Tu fais ce que tu mais veux. Les loups t'en bas. Là, c'est quand t'es des gosses, tu sais, quand les gens voulaient pas jouer avec toi quand t'étais petit, bah. Il disait, mais si, il t'a dit qu'il te cherchait. Vas-y, va là-bas. Mon frère disait toujours ça. Et puis je disais, il y avait personne. Mais si, ta maman, elle a dit qu'elle a donné un bonbon si tu y vas. Bah, c'est pareil. Le truc où t'as deux mecs qui choisissent tous les autres de la classe pour faire une équipe et que t'es le dernier choisi. Que personne veut de toi. Même à la fin, limite ton petit. Non, vas-y, tu peux le prendre, c'est bon. Vas-y, prends-le. Oh non, prends-le. Je te le laisse. Oh merci, les gars, c'est sympa. Fallait pas. Je vois qu'on y a la même enfance. Et voilà où ça mène. On va prendre un peu de stamina, puis on va sortir par le trou, moi je pense. En mode. Je te conseille de décrocher par là, mon cher Agnotrage, parce que là, t'es en train de cramer ta. Ta stamina, tu tiendras jamais le coup. Ça. Allez, c'est parti. Bon, il y avait pas de loot, hein. Non. Léa, passion escalade. Allez, sous. Spider-Man. Ah, si, moi j'arrive, regarde. Oh, alors, il est où le bonhomme? Merde, bah, il va tomber. Bon. Non, mais non, regarde un peu. Oh, qu'il est... Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux de mes skills? Moi, je merde. De mes skills d'escalades. Ah, y'a moyen que tu tombes comme une merde. Hein. Y'a moyen que tu te casses la gueule. Oh, t'es nul. Je suis désolé, mais t'as oublié de mettre des points dans l'escalade. Ah, ça y est, je suis sorti. Oh, j'ai un beau coucher de soleil bien rose. Y'a rien qui va dans le jeu. On va regarder un petit peu une autre naze. Ah, y'a rien. Se foutrait. Bien sûr que j'y arrive, attends. Tu peux aller plus vite en appuyant sur sprint hein, si tu veux. Ça te ferait kiffer ça, hein. C'est quoi, j'espère que tu vas mourir de froid.
À ce moment-là, je te regarderai, je serai. Tu sais, un petit peu. Je t'invite à aller par là, en face. Par là, suis-moi. Si, je veux pas, c'est plein nord. Range ta torche, garde-la pour plus tard. Ah merde. Alors, monte un petit peu là ton masque. Il porte un nom, ton truc là. T'as une gueule de con, sérieux. On est un. Je sais pas, on est un masque. Masque filtrant. Masque filtrant qui empêche de respirer les débris véhiculés par des tempêtes de sable. C'est vachement pratique. Ah, les tempêtes de sable. Ouais, c'est pratique quand il y a du sable. Oui, c'est ça. C'est pratique quand t'es dans le sable. Le genre d'objet qui est logique de looter dans. Dans la glace. Voilà. Ok. Mais moi, t'as fait un vrai loot. Toi. Donc, maintenant, on sait que dans le jeu, tu peux trouver des coffres pour avoir des vrais loot avec des vrais items. Et pas que 4 brindilles comme tu m'as laissé dernièrement, espèce de saloperie. Eh ouais. 3 beaux gosses. Tiens, j'ai crafté des coffres tant que j'y suis. Hop. C'est vrai que c'est le moment. Tiens, et si on craftait un coffre? Peut-être, il y a un nouveau minéral. Ça, une sorte de minéral en bas, un cristal, là, tu vois ou pas? Ah oui. Loot! Je vais te taper dessus. Loot! Non, 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 non. Vous avez looté de l'uranium. Et vous êtes mort. Ah bah c'est de la glace. Cool. Tu veux en déglacer? Mr Free, c'est pour moi. Un martini avec deux glaçons. Alors, je n'en attendais pas moi. Est-ce que tu vois? Non, je ne vois pas, je ne vois pas. T'es où? Je suis passé à gauche, ici. Là. Ah, ouais. Là-bas, il y a une espèce de gros temple avec de la lumière, tout au fond. Ouais, bah vas-y, saute. On va y aller, mais en passant par la droite. Attends. Juste en. Ah, mon ventre a faim. Tu veux du steak? Non, je sais m'adapter. Par contre, généralement, dans ce biome, pour boire un coup, c'est un peu compliqué. Ah, j'y ai pas pensé. Bon, là, la glace, on a du feu. On a qu'à faire fondre la glace. Oh, putain, on voit que j'ai fait des scouts. Hein. Oh là là là. On voit que le mec, il est. Hein, c'est pas le qu'un demi-con. C'est quoi, pas le dernier des cons. Hein. Ouais, j'aimerais pas être à la place de mon personnage. Hein. Courir à moitié à poil dans la glace. T'es pieds nus encore au moins, non? En sandales? T'es en chol? En cloggy? Putain, il doute. Non, tu as cru? Non, là, je suis en babouche. C'est des babouches d'hiver. Les galériens, regardez, j'y arrive pas à monter. Y'a rien, y'a pas de vie. J'ai plus de musique, moi, par contre, dans ce biome, là, depuis 5 minutes. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus de musique. Ça fait vide. Et ben, on n'aura jamais tiré aussi dans le nord. Et quand tu ouvres ta carte, tu vois une espèce de cratère de météorites encore plus au nord. J'irai bien jusque-là. C'est loin, en fait. Ça se trouve, on trouvera des extraterrestres. Half-Life 2, tu vois. Un truc comme ça. Bah oui, forcément. Suis-je bête? Ça paraît tellement logique dans le jeu. Bah, pourquoi pas. Un Predator qui tire des lasers. Attention. Bon, bah, j'ai bien fait de te suivre. C'était une très bonne idée. Non, on va passer à droite, regarde. Pas par là. L'autre droite. L'autre droite par derrière, c'est ça? Ah, je suis content de t'avoir suivi. Par contre, il y a des gros risques qu'on finisse congelé. Oui. Mais c'est pour la bonne cause. L'exploration. Ah, c'est toi qui tousse ou c'est moi? Il a soif. Non, c'est moi qui tousse comme un toxico, comme si j'avais pas... eu ta dose de crack. C'est ça. Là, il boit, c'est un gros dégueulasse. Au soif. Il dit qu'il est soif, chérie. Puis sauf dans la neige, c'est un peu rigolo, quoi. Alors, on a deux solutions. C'est soit on continue tout droit et on va au cratère, ou soit on va à gauche, on redescend... et on explore plus vers la gauche. Et on va au cratère. Et on a peut-être moins froid. Et on meurt pas tout de suite. Ah bah je te suis, je m'en fous. Allez viens, je m'en fous rien que là. Je sens que t'as envie de descendre. Ah, on va jouer la sécurité. Ouais, on va surtout mourir comme des merdes. C'est possible. Allez, on s'enfonce, hein. Alors attention. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bestioles. C'est ça qui est... disons rassurant. D'un côté, dans la glace, des bestioles à part des yétis.
Des espèces de griffons chauves-souris suceurs de cervelle là qu'on a rencontrés. Cagnode de Tom Roche. Ouh, succès plus 400. Level up. Tu es maintenant maître compagnon en chasseur de brebis. D'ailleurs, en parlant de level up, peut-être mettre des points dans les dans la survie. Huit points dans la survie, même pas mal. Allez, boum. Qui c'est le patron? J'ai même pas mal. Aïe, oui, aïe. C'est pareil, tu veux aller, hein. Ouais. Putain, il y a Mammouth à gauche. Oh la vache. Moko, il nous a pas vu. Ouh, tu vois, il y a un temple devant nous. On l'a bien fait de passer par là. Il y a deux temples, trois temples, quatre temples. Oh, moi je vais aller celui qui a de la lumière, qui fait des yeux. C'est rassurant. C'est ça. Une espèce de tête de mort avec des yeux qui brûlent. C'est parfait. Nous serons bien accueillis. Il y a une espèce de loup sur notre gauche, tu feras gaffe. Allons voir là où il y a du monde. Il y a aussi une panthère à droite aussi. Donc on va passer en mode ninja. Allume pas ta torche. Sa vision est basée sur la lumière. Sur les mouvements. Attends, je vois rien, je vois rien. Allume pas, Johnny, putain, fais pas le con. Ah, niveau bouffe et soif, je suis bien. Je suis overbossé. Monte un esquimau. Ah, attention, à gauche. Mais c'est dans ça pour ça. Ça c'est bon, c'est pignacoué, ça se mange tout seul, ça. Ah, des engelures, je commence à avoir des engelures. Ah, bye. Ah, ça crame tête. Mais qu'est-ce que les engelures? Trois fois, franchement, Conan, les engelures. Il y a du. Oh, c'est rigolo. Il y a du feu là-bas, on pourra se réchauffer sur. Ah putain, mammouth. Il y a un gros truc aussi. Passe par là. J'ai un gros truc, je parle du mammouth. Hein. On passe par là, gauche du mammouth. Ça a pas vu. Ça a pas on fait vu. Est-ce qu'on fait un feu vite fait pour se réchauffer? Vraiment que ça réchauffe un feu? Ça se tente, écoute. Avant de mourir bêtement. Oh, je vais crever. Je suis en train de crever. Sans rigoler, je suis en train de crever. Merde, c'est pas de pierre. Je meurs aussi. Ouais. Ah putain. Bah. Est-ce que tu crois que si on descend, on meurt moins? Non. Si on descend, on meurt. C'est con comme truc. Et si je me suicide, tu crois qu'on meurt moins? Ah putain, on va mourir de froid, comme des bites. Ah, tristesse! Je saute. Moi, je descends, je suis sûr qu'il fait moins froid en bras. C'est bon, j'ai réussi avec ma torche. Ah, tu déconnes? Non. Putain, t'es balèze. Attends, je vais prendre des cailloux. Je vais prendre des cailloux, on va se faire un petit feu histoire de se réchauffer un petit peu. On va se. Attends, faire. J'ai pas de quoi faire un feu, t'as besoin de quoi? Cailloux. Pierre, tiens, y'en a là, j'y vais. On va tous mûrir. Non, on est bien, on a trouvé. On a trouvé l'astuce. On a brain the game. On a brain the game. Peut-être parce qu'il y a le jour carré aussi. Tu fais qu'on est pas mort grâce à ça. Tiens, mon petit loup. Je vais faire un feu. Un feu de camp. Ah, mais... On va tellement être bien tous les deux. À quelques coups, enfin peut-être à une seconde près, j'ai crevé. Hein. Mais t'as été malin. Ah merde, maintenant faut mettre du bois dedans. Hop. C'est bon, t'as ce qu'il faut? Est-ce que ça marche? Oh, ça réchauffe direct. Enlève ta torche. Oui, chef. Oui, maman. Plus que ça! Faut que j'en refasse des toches, ça peut servir quand on a froid. À savoir qu'il me faut soit du charbon, soit des fibres végétales. Charbon, j'en ai pas. Je veux bien et je te fais des toches. On se fait des torches. Je te mets ça dans le feu. Tarta. Ouais. Hop, je vais faire des torches. Ça peut nous sauver la vie finalement, ces saloperies de torches de merde. C'est en train de craft. Mais on est pas mal là, regarde. On y arrive en ce temple maudit. On va arriver, le premier squelette qui va nous voir va nous one shot, ça va être cool. J'avoue. Ah tiens, hop, on va mettre un petit coup. Mettons de la glace dans le feu. Est-ce que ça fait de l'eau? Ah mais quel génie. Glace. On met ça au bon. Gelé. Piètre qualité, ingrédient. Quand t'as réussi à faire de l'eau toi? Ah, j'ai pas fait de l'eau, je regarde juste ce que c'est la glace. Parce que je ne savais pas. Moi j'arrive pas à faire de la glace, même de l'eau en tout cas. Loser.
me dis qu'on peut repartir. Tiens, je t'ai mis des torches par terre. Oui, c'est vrai que là, j'étais pas sûr d'en avoir assez. J'ai plus de charbon. Grâce à toi, je me suis rassuré. Alors, et comme ça, est-ce que ça fait du... Est-ce que ça fait de l'eau? Qu'est-ce qu'il loot? Qu'est-ce qu'il loot? Il loot. Tiens. Voilà tes 30 sesterces. Non, moi j'arrive pas à faire de l'eau avec ma glace. Donc à mon avis, il faut peut-être un récipient, quelque chose comme ça. Ah, c'est du bois ça. Bref, si t'es chaud, moi je suis opérationnel pour aller en face. C'est parti. C'est parti. Ok, on se le fait en 4-4-2. T'as pas vu, on va grimper vers la droite. Vers la droite. Bien sûr, vers la droite. Il y a une ouverture. Bien sûr qu'il y a une ouverture. Bon, ok, il n'y a pas. Le mec qui est obligé d'escalader comme ça. La tête dedans. Je te vois la tête en train de racler le sol avec ton nez. Magique. Bon, c'est là qu'on va rigoler. Ou pas. Là, comment j'étais sioux. Hop là. Oui. C'est grand comme ce truc là. Tu es où mon chou? Je t'ai perdu. Je suis là en bas, à gauche. J'ai la peur au ventre. J'ignore ce qui nous attend. Ah, bon, regarde, il y a une dalle là. Une sesterce. Oh, une dalle avec un truc blanc. C'est bon ça. Ouais. Vous avez découvert le carré blanc. T'as vu le coffre? Et hop là, ninja! Oh putain, sérieux! Non, vas-y, serre-toi. Non, le mec, y'a plus rien, tu sais. Serre-toi, y'a plus rien. Oh, j'ai des bottes reptiliennes, ça pète. Ah, tu vois. Je suis pas foutu de ta gueule, hein. Tiens, je te laisse les lingots. Ça pèse lourd, j'ai pas de place. Ah, mais les lingots, par contre, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir réparer mon arme. Mais je m'en fous, j'ai des belles bottes reptiliennes. Et puis le cuir épais aussi, c'est parce que c'est pas donné. Puis la hache est en fer aussi. Non, mais l'autre, il crache dessus, quoi. Je voulais juste des bottes. Intéressant ce système de coffre. Es-tu prêt à rentrer dans cette loot? Encore, putain, sérieux. Il y a un trophée, il y a une biche. Là, je te laisse regarder. Loot de merde. C'était bien. Hein. T'as pris les trucs bien avant. Non, j'ai juste pris le mec, il a des bottes en fer qui brillent et puis un casque à cornes qui envoie des éclairs. Et... Non, il n'y avait rien. Rien d'intéressant, je te jure. Franchement, quoi, aucun intérêt. On peut rentrer. Tu t'interagis avec la porte. Et nous sommes dans la Black Keep. Ouh, alors là, ça fait peur. Rien d'intéressant. Alors là, c'est la première fois que j'entre dans un truc pareil. Vivre dans un donjon. Il y a moyen qu'on crève en 2-2 sur le premier truc qui passe, qui fait la taille de 4 mammouths. Passe devant, va. Vas-y, saute. C'est une salle sacrificielle. C'est une salle sacrificielle. C'est ici qu'ils décapitent les gens pour invoquer des monstres venus d'une autre dimension. En fait, le sar est bugué, il n'y a plus aucun monstre. Il n'y a plus personne, nous sommes que deux. Ce jeu est fortement intéressant. Ah, va dans l'eau, va. Ah bah, de l'eau. Tous les de l'eau. Ah, pas con, toi. Ah ouais. J'ai entendu faire bouffer. Non, je rigole. Alors, 4, 5. Ah. Ça fait bizarre dans ma tête. T'es où? Je suis caché, je suis là. Et là, je suis pris. Il y a un coffre au fond de l'eau. Hein. Franchement, je vais voir au fond de l'eau. Pas pourquoi je le sens bien. Vas-y, va devant. Je suis pas rassuré dans l'eau. J'ai peur. J'aime pas les jeux où t'as des phases d'eau. À chaque fois, je meurs. Ça dépend lesquels. Il y a toujours un con qui traîne vers le fond. Quand c'est juste pour ramasser un coquillage, ça va. Mais les combats dans l'eau, dans les jeux, c'est chiant. Bon, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est juste ça. Il y a que dalle. C'est bien fou. Non.
Ah, il est sorti là. Ah non, non, on est sorti là, ça va pas. Non, faut aller. Attends, on a pas fini dans la Black Keep. Promis. On y retourne alors. Ouais, parce qu'on pouvait descendre. Il y avait un pont, tiens, viens. Ah, je te suis. Ouais. Enfin, descendre, on pouvait sauter. Ah oui, d'accord. Déjà. Ah oui, d'accord. On vient par là. Je lui ai fait te suivre. Hop. On va crever comme des merdes. Oui. Merci, Kaz. Là, il y a le truc sacrificiel. Et c'est là. Y'a rien, y'a pas de corps, y'a que d'autres. Si. Là. Vas-y, saute. Bah non, ouais, ça va. En dessous, si on était. Oh merde. Poulet. Déception. Ok, bon, on va aller au boss alors. Direction la salle du boss direct. Ouais. Ah, ce jeu, il est magnifique. Fun. Au moins, c'est fun, on s'éclate. Donjon impressionnant. On pense qu'on va rencontrer des énigmes et des défis à chaque porte et rien. Alors, par contre, là, faut prendre de la respiration, mec. Allez, faut sprinter. Le seul truc qui tue ici, c'est l'autre, de toute façon. Et encore, je suis pas sûr, j'ai pas testé. Non, mais par contre, ils ont bien bossé, quand même, les mecs. Parce que y a du décor. Ça ouais, sert mais y a rien dedans. Décor, mais y a rien dedans. Et voilà, on est sorti, là on voulait pas. J'espère que l'eau ne touche pas le plafond. Nous sommes fucked. Nous sommes fucked. We are fucking fucked. Ah, je suis en train de mourir de souffle. Et toi? Bah ouais, mais là je m'en sors. Hein. Oh non, enculé. Ah, je suis mort. Non, je suis mort aussi comme une merde. J'ai coulé, chef. Qu'est-ce que je disais? L'eau tue dans ce jeu. Le seul élément qui tue dans ce jeu, c'est quoi? C'est l'environnement. Vous êtes fait tuer par vous-même par l'eau. Oh là là, déception, mon cher, à notre âge. Déception, bon, on a bien avancé. Alors, je vais un petit peu la map. On est allé, donc là j'ai ouvert la map. J'avais l'impression qu'on allait super loin, mais en fait on n'est pas allé. Oh, quoi que si, on a bien. Ah si, jusqu'au château noir ça s'appelait. Ok, mais je suis Ah, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à voir au château noir que juste ce petit passage. Oui. Alors, on a dû louper quelque chose, il doit y avoir d'autres portes. Mais en tout cas, ça sera l'objet d'autres explorations, mon cher Notna. Je propose que nous concentrions sur un peu plus d'armure de froid, du coup, pour que nous puissions... Et pourquoi pas se faire une deuxième base de plus proche. En poste avancé dans la glace. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Ça éviterait de se retaper beaucoup de routes. Enfin, tout le chemin. Mais maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qu'on peut trouver là-bas, on essaiera de tirer un petit peu plus vers le nord et d'explorer tout ça. Ah bah vas-y, genre si c'était trop beau. T'es rien vers moi. Oh là, il est trop chou, petit bouchon. Bah alors, lève-toi. Tiens, bon, monte dans la maison, voir comment ça fait. Alors, il note là, la carpette rentre dans la maison. Attends, je me mets au pied du lit, ça fait bien généralement. Ouh là là. Attends, comme ça, non, c'est mieux. Et tu peux essayer de descendre, de monter sur un caillou en mode Spider-Man, voir ce que ça donne. Te ressemble à une pizza. Ah oui, attends, je vais. Mon dieu. Attends, j'ai compris ce que tu voulais dire. Comme ça. Vas-y. Ridicule. On dirait un vieux sprite dans les jeux vidéo tout buggé. Ah, pauvre, bah alors. Oh, tu ressembles à rien, c'est terrible. Oh, ah, ça y est, ça t'a remis droit. Super. Oh, merde. Merci le mode Spider-Man. Merde.